Salut, salut! Alors aujourd'hui, je reviens avec un petit crash test. Alors, j'ai acheté sur AliExpress, alors je ne sais pas si vous connaissez la marque Air Paint Wax, il me semble que ça s'appelle comme ça, où c'est des espèces de colorations gel qui partent au premier lavage, où vous pouvez faire des petits tests sur vos cheveux pour changer de couleur de cheveux, pourquoi pas pour une journée, etc. Donc moi j'ai voulu tester. J'avais vu les avis comme quoi c'était super. Après, toutes les personnes que j'avais vues qui avaient utilisé ça avaient les cheveux frisés ou avaient les cheveux bouclés ou c'était des cheveux afro. Et je ne sais pas si ça va fonctionner sur mes cheveux à moi. Moi qui ai les cheveux hyper fins, hyper fragiles, on va voir ça. Je vais tester. Donc j'ai voulu tester. Alors, par contre, je suis très très dégoûtée. Bon, j'ai acheté ça sur AliExpress. C'est pas du tout c'est pas le Air Paint Wax. Mais j'avais vu que ça, le mot, alors ça s'appelle Mo Fajang, avait de très bons avis. Et c'est le même principe. C'est une coloration gel. C'est une coloration gel, comme ceci, que vous mettez, que vous laissez sécher. Normalement, vous êtes censé laisser sécher, vous coiffer les cheveux, etc. Donc, on va essayer de voir ce que ça donne. Et vous avez les cheveux colorés pour la journée, voilà, pour le soir, dès que vous vous rincez, logiquement, vous êtes censé ne plus rien avoir sur les cheveux. Donc là, ce qui va se passer, c'est que on va essayer. On va essayer et on va voir ce que ça donne. En sachant que je suis très très dégoûtée parce que j'avais commandé une couleur rouge, hein, parce que j'ai toujours voulu me voir en rouge. Ben, sauf que là, ben, c'est un peu du fuchsia, quoi, du fuchsia. Voilà, donc je suis un petit peu dégoûtée, mais c'est pas grave, hein, on va quand même tester. Donc je vais tester sur ma mèche de devant et on va voir ce que ça donne. Donc je vais mettre ça à l'arrache avec les doigts, n'est-ce pas? Voilà. Ah, par contre, j'ai cheveux. Ah, j'ai cheveux. Ah, ouais, mais de toute façon, c'est du gel. J'ai cheveux hyper secs. Donc là, on va laisser sécher. Voilà, donc je l'ai appliqué un petit peu partout. Hein. Voilà, à peu près. Hein. Voilà. On va laisser sécher. Et je vais me rincer les mains et je reviens. Bon, où est-ce qu'on en est? On en est à là. Ah non, mais. Ah non, mais. C'est bien du gel. Bon, alors par contre, je me suis lavé les mains, c'est super bien parti. Voilà, bon, là, c'est juste que ben, en séchant, je m'en suis étalée partout. Voilà, alors honnêtement, j'ai les cheveux cartonnés. Cartonnés. Quand je vous dis, ah, j'ose même pas passer le peigne, ils vont se casser. Ah non, 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 c'est pas possible. Moi qui ai les cheveux hyper abîmés. Ah non, 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 non. Ah non, 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 c'est pas possible. Ah non, non, non. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, mais ça va pas du tout là. Oh, bah, si vous voulez faire la mèche folle, là, vous pouvez faire la mèche folle, je vous le dis. Non, de Zeus. Oh là 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 là. Oh non, c'est pas possible. Oh, je veux dire que Tisane, elle essaie sur ses cheveux parce qu'elle a les cheveux quand même plus puissants que les miens. Plus forts. Mais. Ah non, mais. Alors, je sais pas du tout si le vrai Air Paint Wax fait ça. Mais voilà. Là, j'ai séché en fait avec le sèche-cheveux. Mais voilà, je sais pas du tout. Après, je l'ai vraiment pas payé cher. Je l'ai payé 3 € des poussières. Donc, si vous voulez faire, par exemple, une petite mèche avec une petite tresse, ou je sais pas, moi, pour une petite soirée ou un truc comme ça, pourquoi pas? Parce que ça s'en va au premier lavage. Mais après, non, c'est pas possible. C'est pas possible. En plus, j'ai juste passé le peigne. Ben, du coup, le peigne, il est resté rose. Bon, après, ça se rince facilement, mais non, mais là, c'est pas possible en fait. Ah non, c'est pas possible. Oh oh, en plus, j'ai les cheveux hyper cassés là. Oh, je me suis complètement cassé la frange. Oui, je vous vois venir là. Oh, c'est quoi ces cheveux? T'as les cheveux abîmés. Oui, j'ai eu une erreur capillaire là le mois dernier. Il s'est passé quelque chose avec mes cheveux. Pendant ma déco et pendant ma patine, je me suis fait mal conseiller. Donc ça va, hein. Ça va, hein. Je vois, hein. Je vous vois arriver là, les critiqueurs, hein. Donc non, franchement, ouais, je vais aller voir si ça s'en va déjà au premier lavage parce qu'il ne faudrait pas aussi que je reste comme ça à la mèche rose. Parce que, ben voilà, après, est-ce que ça m'irait le rouge? Est-ce que ça m'irait le rouge? Honnêtement, je ne sais pas.
Peut-être que oui, peut-être que non, sachant que c'est pas du rouge, c'est du rose fuchsia. Mais peut-être que là, dans la caméra, ben, ça fait rouge, peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Voilà. Par contre, il faut pas toucher parce que, ben voilà. Donc, ben, pour moi, c'est un flop. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, je ne le conseille pas pour partir faire la belle en soirée ou partir faire la belle dehors, faire les magasins. Parce que vous allez vous retrouver rouge, vous allez tout toucher, tout va être rouge. Votre voiture, votre sac, votre téléphone, tout va être rouge. Même si ça s'en va au premier lavage, tout va être rouge. Je vais aller me rincer et puis je reviens. Hein, parce que merci quoi. Merci, merci, merci. Je ne peux pas les toucher, c'est impossible, je ne peux pas les toucher. Je me regarde au retour là, je ne peux pas les toucher. Je suis dégoûtée. Si vous voulez, je vous mets quand même le lien, mais en barre d'infos, ouais, on sait jamais. Mais voilà, quoi. Ouais, ça va pas du tout, quoi. Bon, je vais me rincer, je reviens. Bon, du coup, qu'est-ce que j'en pense? Honnêtement, ça assèche beaucoup les cheveux. Franchement, ça assèche beaucoup les cheveux. Je sais même pas. Après, pour une soirée ou pour... Bon, moi, j'ai les cheveux très fragiles, donc je pense que si je le mets, je vais me bousiller tous les cheveux. Déjà qu'en ce moment, j'avoue... Bon, là, je suis pas coiffée. Hein, je me suis lavé les cheveux avant-hier soir, vu que hier, je ne suis pas sortie, c'était dimanche. Et aujourd'hui, j'ai même pas eu le temps de les laver, donc je vais les laver de même. Mais j'ai les cheveux, ils sont dans un état. Ma dernière déco s'est très mal passée. J'ai fait une patine qui m'a bousillé les cheveux, qui m'a... Enfin, bon, toute une histoire. Et bon, mes cheveux en ce moment, ils sont pas dans un très très bon état. Donc ce que j'en pense, c'est que ben moi qui ai les cheveux hyper fragiles, ben du coup ça m'assèche vachement les cheveux. Et ça, je suis dégoûtée, j'en ai pris deux. Donc du coup, ben, j'en avais pris un pour moi et un pour Tisane. Ben Tisane, elle essaiera aussi sur ses mèches blondes, vu qu'elle a des mèches blondes. Et au pire des cas, je sais pas, je le donnerai à ma soeur. Mais en tout cas, je pensais que c'était rouge. Et en fait, finalement, je l'ai reçu en rose. Dommage. Dommage parce que j'aurais bien aimé voir comment s'amiraient les cheveux rouges. J'ai toujours voulu voir comment s'amiraient les cheveux rouges, donc je suis un petit peu dégoûtée. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, je l'ai pas du tout payé cher. Et voilà, le seul truc qui est vraiment dommage, c'est que ça assèche les cheveux. Ça assèche les cheveux et puis vous pouvez pas passer les doigts parce que du coup, ben, ça peut casser, etc. Donc voilà, voilà, voilà. Mais sinon, pour tester, pourquoi pas. Ouais, ouais, ouais. Pour tester, pourquoi pas. Et puis ça, voilà, je vous dis, j'ai acheté ça sur AliExpress. C'est pas une collab, je l'ai acheté pour tester parce que je voulais vraiment tester. Mais voilà, je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt, hein, dans une prochaine vidéo. Et je vais essayer de reprendre un petit peu mes vidéos, un petit peu comme ça, de temps en temps. Petit à petit. L'oiseau fait son nid, comme on dit. Bon, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.